Quels sont les gestes à réaliser lorsqu'on est en présence d'une personne qui présente une hémorragie, l'hémorragie, le saignement abondant, l'écoulement de sang en abondance? Il faut juste vous dire une chose, il y a un trou avec un liquide qui coule. Il faut employer un geste qui va avoir pour objectif de boucher le trou. Si on ne peut pas boucher le trou, on va essayer de serrer en amont, entre le saignement et le cœur, fortement, et c'est ce qu'on appelle un garrot. L'idée reçue sur le saignement, c'est de vouloir mettre sous l'eau. Comme un petit bobo ou autre, mettre sous l'eau, c'est pas bon du tout, ça bouge pas le trou et surtout ça fluidifie, donc ça augmente le phénomène hémorragique.